Dans cette nouvelle vidéo d'immersion, nouvelle et déjà dernière, puisque aujourd'hui c'est le dernier jour de compétition, toujours au CHIO d'Aix-la-Chapelle. Mais c'est pas n'importe quelle journée, puisque aujourd'hui c'est le jour du cross. Je sais que c'est un petit peu la journée que vous préférez voir, c'est aussi la journée que je préfère vous montrer. Donc on va être parti pour cette journée de folie. Romain passe vers 11h, attendez, je vais vous dire exactement. 11h26, c'est le début du cross, c'est à 9h38, donc je vais avoir le temps d'aller un petit peu en amont sur le cross pour vous montrer quelques petites images du parcours, puisque vous vous doutez bien que je pourrais pas être partout et malheureusement je pourrais pas vous montrer l'entièreté du parcours de Romain, donc bon, on va voir comment on fait. Dans tous les cas, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses et on est parti. The opening of the tent complex. Jetzt an Hindernis Nummer 20 am PSAP-Komplex. Grüß an Tandoori. On se retrouve au box, un petit peu l'effervescence. Là du coup on est retourné, enfin je suis retournée au box pour voir la préparation de madame, vous filmer un petit peu tout ça avant que Romain parte en détente. Voilà, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu vous filmer grand chose du cross, j'espère quand même que ça vous plaît et dans tous les cas je vous filmerai ce que je peux sur l'écran géant pour Romain. Allez, on y va. Bon, ça y est, on est en direction de la détente de cross. C'est le moment typique où certainement la caméra va commencer à trembler un peu. Je m'en excuse d'avance si c'est le cas. Bon, allez, je vous laisse avec les images de la détente. À toutes.
sais pas si je vous ai pris tout de suite après le cross, donc je vous prends maintenant. Vous l'avez vu dans les images, Romain et une étoile ont fait un cross exceptionnel. C'est la troisième meilleure performance sur ce cross. Donc ils ont fait sans faute avec seulement 5 secondes de retard, ce qui est énorme puisque il n'y a pas un seul sans faute dans le temps était très dur à jouer. Voilà, c'est la meilleure performance française également. Donc voilà, trop ouf. Bon, et bien voilà, l'immersion touche à sa fin. On est en train de finir de tout ranger avant d'embarquer donc la jument juste ici. Je vais vous laisser là maintenant puisque à part vous montrer la jument qui va monter dans le camion, il n'y aura rien d'autre de plus niveau contenu. On va sûrement arriver dans la nuit en France, donc je pourrais même pas vous montrer le débarquement. Pour vous donner un petit peu les résultats, Romain finit donc 20e sur 38 après un super cross avec seulement 5 secondes de retard. Donc c'est juste ouf pour une première sélection senior à 22 ans. Donc voilà, on est trop contents, franchement, la jument a super bien couru, Romain a super bien monté, donc enfin de toute façon les images parlent d'elles-mêmes, je vais pas épiloguer là-dessus, mais on est en tout cas super contents. Du côté de l'équipe, puisque je vous le répète, Romain courait donc ce concours en individuel, il y avait aussi l'équipe de France à côté. Malheureusement, c'était pas le meilleur cross pour eux, puisque l'équipe termine dernière par équipe. Guirec fait une chute à la fin du cross, les deux vont bien, donc et Guirec et son cheval vont très bien. Mais bon, c'était ceux qui étaient les mieux placés et malheureusement du coup ils sont éliminés. Thomas et Birman font sans faute aux obstacles mais prennent du temps. Également Régis et Tarastro font sans faute mais prennent également du temps. Et pour finir, Camille Lejeune avec son cheval Norway, la même chose. Ils vont faire sans faute mais prennent pas mal de temps. Donc voilà, voilou, quand même une belle expérience je pense pour tout le monde. En tout cas, j'ai adoré partager ça avec vous, j'espère que ça vous a plu aussi. J'espère que j'aurai l'occasion encore une fois de retourner sur des terrains aussi incroyables que celui-ci. Terminé, j'espère vraiment avoir pu vous retranscrire toute l'ambiance de cet endroit qui est si particulier. Et puis voilà, avec un petit peu de fatigue, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis pendant ce temps-là... On a piqué des pommes, faut pas le dire. Mais il y avait des pommes sur le cross, quelle idée aussi. Et là du coup l'idée c'est que... Et ce soir il y aura la Coupe des Nations, enfin en CSO, hein. C'est un autre monde mais bon. On en parle quand même un petit peu.